merci. Donc, au nom de l'ensemble des camarades du SAMES, nous vous remercions d'avoir répondu présent à cette rencontre. Et je le rappelle, qui est le 5e congrès ordinaire des médecins, pharmaciens et chirurgiens du Sénégal. Pour nous, c'est un moment solennel de partage d'informations, mais aussi de revue de troupes. On en profite aussi pour un peu discuter des problématiques de l'heure. Et cette 5e congrès, nous avons choisi comme problématique la gestion des ressources humaines en santé. Comme vous le savez, les ressources humaines en santé constituent un des piliers fondamentaux à côté des 5 autres piliers. Mais on ne peut pas réussir la santé dans un pays en oubliant ou en occultant les ressources humaines. C'est pour cela que nous allons en débattre en ces termes par rapport à la formation des ressources humaines qui pose certains problèmes au niveau du Sénégal, mais aussi par rapport à leur recrutement, à leur affectation, mutation et à leur maintien. Aujourd'hui, par rapport au plan Sénégal émergent, on rappelle par rapport à l'axe 2, le capital humain, il faut dans le secteur de la santé des professionnels qui sont très bien formés, suffisamment motivés pour prendre en charge les préoccupations des populations. Je pense qu'on aura au cours de ce congrès débattu de ces problématiques et proposé des solutions au gouvernement, que ce soit des solutions structurantes de sortie de crise. Voilà en tout cas l'importance de ce congrès qui va nous réunir aujourd'hui entre médecins, pharmaciens et chirurgiens.